Elle est sorcière. Bah, elle est sorcière qui va y boire. Elle dit qu'elle est sorcière. Comment devenir sorcière? Papa, c'est à qui va y boire. C'est à ressusciter. Elles disent qu'elles font une association de femmes au village et elles travaillent ensemble dans les champs. Et c'est dans ça qu'une femme parmi elles qui était sorcière a transformé la viande de porc en chair humaine et elle les a tous initiés à la sorcellerie. Elle a fait quoi? Elle a transformé la viande de l'homme. C'est de porc en l'homme et les a tous initiés à la sorcellerie. Donc c'est une dame. Et quand ils ont initié la sorcellerie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques mois, nous avons eu un peu de temps. Il y a 27 personnes. Bon, ok. Tu as tué 27 personnes, on continue. Encore ils sont blancs, pourquoi vous parlez du bon? Quand tu tues là, ça te fait quoi? Quand elle tue l'homme, demande, quand elle va tuer une personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Bah, il y a un peu de temps. C'est terrible, hein? L'être humain est sacré. Vous le regardez et vous le tuez. Souvent quand j'ai fini les aveux, je réfléchis à ça jusqu'à comme un être humain qui se repose. Vous savez que tuer une personne n'est pas bien. Et vous torturez la personne. Et vous tuez. Et de sous quoi vous partez manger encore ça. Vous lui demandez quand il tue l'homme là, ça fait quoi? 4%. On saucé. Elle dit après l'avoir tué, elle a peur. Peur? 1, 2, 2, 7, quelle peur? Il a appelé à Blanc-Rousseau, c'est elle de Bougani. Tu as peur de quoi? Il a dit que là-bas il y a une hiérarchie et que si le patron dit va travailler, il ne fera que faire. Tu es patron, il faut laisser après des patrons. Toi-même, tu es patron. Il va être patron. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'envoyer. C'est toi qui envoies les gens. On va sur moi. On laisse ça faire des patrons. Oui, c'est elle qui les envoie. Alors, maintenant, tu écoutes quelle voix des patrons? Il y a un patron béni, il y a un patron béni. On va voir un petit patron. Vous êtes combien là-bas? Un petit sera là. Il y a 9. 9 personnes. C'est très bien, t'as dit la vérité. Toi, tu es quoi là-bas? Parmi les 9 là? Mais les gens ne veulent pas qu'on parle de ça, le sujet. Il y a tellement de choses. On doit parler de ça. Nos cadres, les gens travaillent, ils sont victimes de ça. On les détruit. Les gens sont là pour mener la vie difficile aux gens, cacher la vie. Elle dit là-bas, elle est la patronne, la reine. Où est ton gourdin? Il y a un grand patron sur mon lit. Elle a laissé ça au village là-bas. Ah, mais tu viens te délivrer et tu laisses l'arme que tu prends pour tuer là-bas. Pourquoi? Demandez, faut demander. Elle était venue pourquoi ici? Pourquoi ça va à l'enfant?
Elle dit, elle vient parce que ce qu'elle a fait n'est pas bon, elle vient pour que. Bon, maintenant ce que tu prends pour Dieu là, tu laisses ça là-bas. Donc, il y a un jour, il dit d'avoir un appareil sa terre, donc on a un kilo, le tien kilo. Elle dit, c'est pas qu'on a encore, elle doit envoyer, c'est pas qu'on a encore. Plus de sorciers. Les bouches. Tu sais pas comment envoyer. C'est comme un bandit, il faut lui dire, c'est comme un braqueur. Hein, qui vient à la police pour dire, je suis braqueur. On lui dit, mais où est le fusil? Ben, c'est pas braqueur dans la bouche. Oui, c'est qui tu prends pour aller braquer. Non, j'ai laissé monsieur dans ma chambre. On dit, non, toi, non, tu n'es pas venu. Viens, il faut. Non, on va te suivre là-bas. Elle est venue essayer pour dire, elle va venir voir. Et puis on voit si les mamans sont sorciers. On t'attrape. On t'attrape. Où est ton canari? Parce qu'elle a un canari. Elle a un canari très mystique. C'est son lit. Elle regarde. Non. Elle a un canari. Où elle regarde dedans pour voir les gens pour les tuer. Bah, un jour. Elle regarde. Bah, un jour. Alors c'est marquant. Oh, Ani a nous a mouillé à Koudjou. Oh, oui. Où c'est? Elle dit c'est au village là-bas. Ok. Bon, j'ai besoin de ça. Va t'asseoir. Pour qu'il n'y ait pas de chance. Ah, ils sont se mariés. Tu fais ça comment, Elsa? Papa, ils sont se mariés. Après, elle va y s'en poser. Elle va y s'en poser. Elle dit que c'est comme un miroir. Elle parle de quoi? Elle dit c'est comme un miroir. Un miroir. Quand tu déposes et que tu regardes, tu vois les gens. Tu vois les gens là-bas. Voilà. Puis tu as laissé tout ça, tu es ici. Ça va vrai? Lui-même, tu l'as fait quoi? Donc, on va arriver de mon discours. Ça y est, tu sais. Si tu dis, je te délivre. Ce que tu as fait, c'est lui-là. Si tu as le courage de dire, je te délivre. Il y a un jour, il n'a pas eu le roi sur sa camp. On a dit au train. Elle dit que son fils, la femme de son fils, il dit qu'il ne faut pas qu'il va enfanter. Donc quand la femme prend une grossesse, elle boit le sang. Elle boit le sang avec la grossesse. Quand la femme le fœtus, tu casses. Ah, j'ai fait comment elle fait. Je suis en train de. C'est comme ça fait. C'est comme ça fait. Il faut lui dire comment elle fait ça. Papa, c'est un homme. Papa, maman, c'est normal parce que les reines, quand tu arrives à ce stade-là, tu as la capacité d'aller détruire les fœtus. J'utilise ça. C'est cette partie vitale, le sang, là, ça, là, ça leur donne force. Si moi il ne voit pas ça, il n'a pas de force. Mais justement, voici la partie qui est dangereuse. C'est ça qu'il faut mener un combat farouche contre la sorcellerie. Les blancs qui se sont levés pour aller combattre la sorcellerie, c'est pas ce qui était fait. Mais c'est nuisible, c'est pas utile la sorcellerie. Des innocents meurent à cause de leur pratique. Et ils ont reçu d'éradiquer ça. C'est une autre forme. La franc-maçonnerie dans une autre forme, la sorcellerie, la magie. Mais ici, c'est la sorcellerie brute qu'ils ont combattu là-bas. C'est ce qui se trouve ici. Eux ne vivent que de ça. Ils ne sont allergiques, prêtement, ils sont allergiques à la bénédiction. C'est-à-dire, quand tu dois ton étoile, ils détruisent ça. C'est ça le danger. Et tu es là, tu es bloqué. Toi-même, tu sens que tu es dans une prison. Écoutez, quand quelqu'un suit le contrôle de la sorcellerie, c'est la frustration. C'est tout. C'est pas autre que ça. Pour avoir un contrat, ça se gâte. Rien ne bouge. Tout est bloqué. Ça veut dire que tu es sous le contrôle d'un esprit de la sorcellerie. C'est ce que la sorcellerie, il faut la combattre. Il ne faut pas jouer ça. Faut pas jouer ça. Malheureusement aujourd'hui,
Peut-être que c'est, peut-être d'autres personnes ne savent pas. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut te détruire. Quel est au niveau 2 de la sorcellerie? Il est ton collègue. C'est cela que ce n'est pas n'importe qui. On fait amitié. Camaraderie. Moi, je ne fais pas confiance à tout le monde. Je suis désolé. C'est pour ça qu'il te scanne d'abord. Parce que le sorcier, il va vouloir te détruire. C'est la partie des bénédictions. J'ai compté ça dans mon livre. À Guéillot, il y a une sœur chrétienne dans une église qu'on appelle l'église du réveil. Guéillot, cette sœur, elle était chargée par la confrérie de Guéillot de détruire les mariages dans les églises. C'est une diaconesse dans une église. Là, il y a trop de choses à dire. C'est parce que tout ce qui concerne l'église, je n'ose pas parler pour ne pas lancer un discrédit sur l'église. Sinon, pasteur sorcier, j'ai bien délivré ça. Il y a tant de choses que je peux dire ici, ça. Mais je garde ça pour ne pas salir l'image de l'église. C'est ça que je m'abstiens. Je ne parle pas des choses qu'on vit même dans notre milieu. Notre milieu là-même, il y a beaucoup de choses. Comme j'ai rencontré des pasteurs sorciers qui pratiquaient la sorcellerie dans Bridjan. Je n'ose pas dire, c'est bon. Voilà, c'est bon, faut pas y aller trop. Qui sont venus, il y a un d'entre eux qui est venu faire des aveux. Il y a trop de choses. Hein, qui est venu se confier à moi. Montrer une vidéo de... Bon, c'est bon. Non, c'est bon. Il y a des choses, je n'ai pas envie de trop dire, c'est bon. J'ai trop aidé, il y a des choses que j'ai détruites secrètement, ici en Côte d'Ivoire. Je sais que ma vie est souvent menacée, mais je suis dedans. Parce que je ne vais pas permettre que les sorciers tuent les gens. J'ai été victime, je suis le rescapé de ma famille. Et c'est là que je ne joue pas le sujet. Quand tu es sorcier, je ne joue pas ça. Si vous ne voulez pas vivre, laissez les gens vivre la vie. Mais attends, Dieu m'a donné une étoile. Ce n'est pas toi, une vieille pauvre femme, tu ne peux pas marcher. Là-bas, tu couilles, si tu ne couilles pas, tu as venu bouffer mon étoile. Pourquoi? Donc voici ça la sorcellerie. Il y a tellement de sujets pour lesquels on doit parler. Et grâce est comme ça. Il y a trop de choses à dire. Pourquoi on ne parlait pas de sorcellerie dans vos églises? C'est vrai que Jésus revient, ne péchez pas. Mais le sujet là, il est très important. Il n'y a pas vos fidèles dans les églises. Là, ils sont tous victimes de la sorcellerie. Arrêtez de rencontrer des conneries. Vous prêchez. Tanana, je suis le meilleur. Tu es meilleur. Faut attaquer la sorcellerie. Vous parlez d'autre chose, vous êtes là, vous parlez d'autre chose. Allez attaquer. Moi j'encourage. Il y a tellement de sujets. Les gens sont victimes de la sorcellerie. Les gens sont frustrés. Le mariage est bloqué. Le travail, il n'y a plus de prospérité. Les finances sont bloquées. Le monsieur a fait son travail. Il connaît son travail, il n'avance pas. Lui-même il est convaincu qu'il y a une même mystique là. Les Indiens, les Africains, ils sont superstitieux et ils voient le diable. Mais le diable il est partout. Attendez, le diable il est partout. Le monde invisible existe, le monde mystique existe. Si ça existe, c'est que ce qui m'arrive là, c'est donc spirituel. Parce que j'ai rempli toutes les conditions physiques, j'ai tout. Maintenant pourquoi il n'avance pas? Pourquoi? C'est ça, le point d'interrogation. C'est que c'est quelque part d'autre, c'est mon problème des spirituels, des plus physiques, il devient carrément spirituel. Or, c'est le spirituel qui fait le monde visible. Sur ce côté-là, vous ne voyez pas ça, vous êtes barbarés. C'est ça que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le monde spirituel, d'abord. C'est ça qu'il faut traiter avec le monde spirituel. Quand vous avez une affaire que vous devez aller traiter à 1h du matin, levez-vous jusqu'à 4h. Priez pour le rendez-vous. Parce que entre vous et le rendez-vous, la sorcellerie peut détruire ça. Vous loupez les grâces parce que vous ne savez pas comment entrer en contact. Alléluia. Amen. Le jour où Aman allait se plaindre, plaindre du roi pour détruire Mardoché, la Bible dit, la même nuit, le roi n'a pas dormi. Vous savez ce que Mardoché est en train de faire? Il est en train de parler au roi, parler à l'âme du roi. Vous avez des rendez-vous d'affaires. Vous ne traitez pas avec le monde spirituel. Vous voyez ça comme ça. Non, c'est que si m'a donné un rendez-vous, va respecter. Mais le monde spirituel, tout peut se détruire. Vous avez un rendez-vous, vous priez pour ça. Il faut que le monsieur, en te voyant, qu'il accepte
Tout ce que tu vas dire, tout est possible. La Bible dit, tout ce que nous lions sera lié, tout ce que nous délions sera délié. Parle à son âme. Tu s'appelles Jérémie, tu dis, le jour, Jérémie a 8 ans à un rendez-vous. Dès que tu me vois, tu signes le contrat. Tu dis ce qui passe d'ici. Ce n'est pas fait d'emboutement. Tu signes le contrat. Nous avons le pouvoir de Christ pour régler toute solution. Tu ne dois plus échouer. Amen. Tu ne dois plus échouer. Amen. Ne négligez pas la prière. Une fois que vous négligez le spirituel, tout se dégrade, tout s'écroule autour de vous. Amen. C'est pour ça que là, à partir de 3h, 3h30 jusqu'à 5h, 1h30 de prière, vous avez tout possédé. Vous déprogrammez la mort, l'accident, parce qu'ils vont programmer mort, accident, pauvreté. Si vous détruisez votre image, l'humiliation, tout se programme en même temps. Vous déprogrammez. À partir de 5h, vous commencez à proclamer les choses sur votre vie, sur la journée. Vous avez la bénédiction. Pourquoi toi tu pries puis tu n'es pas exaucé? Tu ne sais pas prier. La Bible même, Jésus m'a dit, vous priez, vous ne les pas, si vous priez mal. Vous n'avez pas prié. J'étais même ici, quand je lui disais, elle ne voulait pas parler, je lui ai dit, tu as canari comme une... C'est ça le ministère prophétique. Amen. Voilà. Donc la vieille, elle a envoyé l'autre qui? L'autre qui, c'est ça? L'autre qui? La qui? Nidama. Ah, ça c'est Nida. Nidama. Ah, voici le canari mystique de la vieille. C'est dans ça elle regarde pour Nini Nini. Comment on dit prend? Hein? Fa. Mansou. Un micro. Elle dit que c'est un miroir, elle regarde donc. Une caméra. Vas-y, miroir là, frère, ça t'explique pas ça bien. Elle dit que c'est une caméra mystique. Mystique. Donc, elle regarde, maintenant elle voit les gens. Tu vois l'image des gens. Maintenant, ceux qu'elle veut tuer, ça traverse ça qu'elle tue maintenant. Comment elle procède? Bon, pour ça, après, elle est à travers ta couleur. Comment ça, elle est à ta couleur? Bonjour. Papa c'est aillé à couper à part pour ce mon camion. Eh bien, elle dit qu'elle a son. Elle a un jeune. Quand elle voit les personnes dans le canari, elle appelle le jeune, c'est le jeune qui les tue. Non, elle. Non, faut rester dans l'esprit de confession. Pourquoi vous aimez changer sur le champ? Il faut lui dire qu'elle est venue ici. Elle cachait le canari. C'est Dieu. Il m'a donné cette grâce de voir le canari depuis chez elle. Il m'a donné cette grâce de voir le canari. Voilà, c'est ça. Elle dit qu'elle a son avion, quand elle est dans l'avion, c'est là où elle regarde les deux voiles, l'âme des gens là-bas. Ah, le Koyo là. Voilà, le Koyo. Maintenant, ça veut dire que ça devient GPS. C'est ça même. Ok. Le Koyo, elle la suit. Je suis. Et puis maintenant, elle regarde GPS. Ça localise maintenant les gens. Et quand elle voit dans GPS, elle fait quoi après? Il y a un cas où vous savez, ils ont fait de ma vie. Elle dit quand elle regarde, quand elle voit la personne, elle voit celui qu'elle a besoin, qu'elle veut tuer, mais elle va maintenant tuer cette personne. Ah, donc elle parle, elle voit la personne dans le canari. C'est ça? Ok. Et puis maintenant, comment elle procède? Il y a quelqu'un qui nous sera nous. Mon cas, il y a deux mots à oublier. Aïe, c'est ça. Il y a un travail. Il a dit qu'elle attrape le cas. Ah, ok.
Donc, ça dit dans l'âme, l'esprit, la personne a la capacité d'apparaître là. Père pour notre, le nom. Ok. Elle détient ce pouvoir de qui? Non, son pouvoir est là. Une capacité de pouvoir appeler l'âme de que c'est dans le canari que se trouve le pouvoir. Et que celui qui a donné le pouvoir, et le canari, c'est dedans, il a mis le pouvoir. Ils se sont lavés avec, comme les médicaments sont lavés avec, et donc le pouvoir est pris en elle. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de canari de sorcellerie. Vraiment. J'explique. Ok, leur monde opératoire, c'est quoi? C'est-à-dire, tous ce qu'on appelle chance, ils vont stocker. C'est comme vous avez le téléphone, par exemple, iPhone. Les données, le truc, on va stocker ça quelque part, iPad, store. Donc, les données, quand tu veux faire des recherches, c'est là-bas. Moi, quand ton téléphone est perdu, tu bloques, tu as des codes, on bloque ça, parce que les données vont quelque part. Donc, c'est comme ça. Donc, vos chances, quand il y a une confrérie quelque part, la confrérie a toujours un canari. Si vous écoutez très bien les aveux des gens, ils disent, on l'a mis dans le... Quand on dit la maman ou le papa a bloqué ton étoile, c'est pas bloqué, plaque, plaqué. Mais il prend ton étoile, il enfuit ça dans les canaries. Quand une fois s'enterré, c'est fini. Tu vis sans une étoile. Or, c'est cette étoile-là qui devient, qui a la gloire, qui permet de briller. Une fois c'est étouffé, tu es comme dans l'obscurité. Personne ne peut te saluer. Tu es une jeune femme, personne. On te voit bizarre. Toko, on te joue comme ballon. Moussa, Draman, Ousseini, Gilbert, Gitambert, tout. Parce que ton mariage est en fuite. Or, ce qui intéressait Jésus, on dit Lazare est mort. Ok. Il est mort. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Il est mort. Il est où? Ce qui intéresse Dieu maintenant, les sorciers vont vous en cacher. Mais où ils vous ont mis? C'est ce qu'on appelle la délivrance approfondie. Arrêtez la délivrance superficielle. C'est ce que les gens essaient de faire. Ils vous imposent les mains et puis c'est fini. Et vous avez l'impression que rien n'a bougé. Ah non, il faut aller en profondeur de la délivrance. C'est pour ça que nous avons l'habitude, on nous dit, il ne suffit pas seulement de passer aux aveux. Quels sont les instruments de sorcellerie? Parce que c'est ce qu'on utilise, ou là où les gens vous ont mis, c'est ça. Où vous ont mis là, c'est ça qui intéresse Dieu. Amen. Oui, c'est pour ça que quand vous faites vos prières, priez de telle sorte que là où les gens vous ont mis là, que Dieu vous fasse sortir de là. Amen. Amen. Que Dieu vous fasse sortir de là. Quand Jésus a pris que c'était dans le tombeau, ils ont même découragé Jésus. Ils ont dit non, c'est bon, il sort déjà, c'est même pas la peine de partir. Jésus, il sort. Jésus dit non, c'est ça qui m'intéresse. Ta place n'est pas. Votre place n'est pas dans le canari. Je suis désolé, ton mariage doit pas être dans le canari. Ton argent doit pas être dans le canari. Les gens ne comprennent pas, c'est ce qu'on appelle mystique. Tu ne peux pas comprendre parce que c'est une affaire spirituelle. Dieu le révèle à ceux en qui il a envie de révéler. Ceux qui maîtrisent le monde spirituel, gloire à Dieu. Or, la Bible dit, ne vivez pas selon la chair. Les gens vivent selon la chair. Ils comprennent charnellement les choses. Or, la Bible dit de marcher selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons comprendre les choses selon l'esprit. Les choses sont bloquées. Qu'est-ce qui se passe? C'est que mon problème, il est spirituel. Alors Jésus parle, il dit Lazare sort. Et quand Lazare est sorti, c'est fini. Il a été totalement libéré. C'est là où vous avez mis qui va plus intéresser le Seigneur Jésus. Amen.
C'est cela que, quand le sorcier garde, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment délivrer les victimes. Les gens, ils parlent, ils délivrent, on a prié, on entendait le sorcier parler, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Quelles sont les victimes? Les sorciers ont gâté qui? Eux, ils vont beau parler, ils ne vont jamais réparer les dégâts causés dans leur vie. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont experts en destruction. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, quand ils font des aveux, ça nous intéresse de savoir les gens qu'ils ont liés, ligotés, les gens qu'ils ont programmés. C'est un peu notre spécialité ici. Parce que si vous priez pour elles et que vous ne vous occupez pas des personnes victimes, programmées déjà, mais ça va les atteindre puisque ça a été déjà fait. Amen. On a présenté en parler, c'est quoi? Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu vas faire ça, pas regretter. Canary là, il est cassé, il a plus rien dedans. Ah, le pouvoir est gâté. La vie, elle a dit, mon dernier pouvoir là. On va chanter ça. Nyame yo amo, 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 nyame yo amo. Nous on pense aux enfants. Ton temps est venu, tu vas partir. Mais ceux qui sont vivants, c'est pour que ça cause un content. Il faut que les gens soient délivrés. Ils souffrent inutilement. On allait les manger, cadeau. La vie, c'est fini. Merci. Yame yo amo, 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 yame yo amo. Maudit la présence de la sorcellerie dans ta vie. Par la puissance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Celui-là. Elle est délivrée. Comme on dit, Baye est pité là, c'est comme on dit. Baye est pité en toi, c'est comme on dit. Baye m'a pité en nous. Baye m'a pité en nous. Baye m'a pité en nous. Baye, profitez-nous. Elle a dit. Naïrio, naïrio. Naïri, go, go, go. Naïrio, naïrio. Naïrio, naïrio.